Edina na abete isuba babori Somi somi diewa, meditewe minose poto mitonanyo, wazo wato lenamo vivo rotome, wajo wato lenamo kado safue, yo povu pome hopo biwe kajona inu koache, maman danto pa. Merci beaucoup, chers amis. Je l'ai dit plusieurs fois, nous devons sortir notre pays de la précarité. Et pour le faire, nous avons besoin de créer des emplois pour notre jeunesse. Je l'ai annoncé il y a quelques jours, il nous faut au moins 500 000 emplois à créer au cours du quinquennat. Et je m'y engage. Un des secteurs phares pour le faire, pour remplir cette condition, c'est l'agriculture. Et nous allons moderniser l'agriculture. Pour ce faire, nous allons régler les questions foncières, moderniser et subventionner l'agriculture afin de faire du Bénin un grenier de la sous-région ouest-africaine, notamment du plus grand pays de la sous-région, le Nigeria. Nous allons allouer 10% du budget national, soit au moins 130 milliards de francs CFA par an pendant le quinquennat, pour développer ce secteur afin que l'autosuffisance devienne une réalité pour nos populations. Nous mettrons un accent particulier sur l'innovation afin que notre pays devienne véritablement compétitif sur le marché régional et international. Par ailleurs, la question environnementale est cruciale. C'est pour cette raison que nous prendrons en compte les préoccupations écologiques. Pollution, désertification, déforestation, changement climatique. Et nous proposerons des solutions durables avec des plans d'assainissement, de reconstruction de nos écosystèmes et de transport en commun. Plusieurs grands travaux vont être lancés. Mais rassurez-vous, ce ne seront pas les éléphants blancs que nous connaissons, mais de gros chantiers que je livrerai avant la fin du quinquennat, si vous placez confiance en moi. Il s'agira notamment de construire les principales infrastructures suivantes. Autoroute Sud-Nord, Ouest-Est, Grande Ceinture de Cotonou, pont à l'entrée de Porte-Novo, route nationale et piste rurale, projet Lac Nokwe pour ouvrir les voies navigables. Pont reliant Cotonou à Calavi sur le lac Nokwe. Corridor sur le lac Nokwe entre Porte-Novo, Calavi et Cotonou. Tramway à Cotonou. Centrale solaire et thermique. Barrage hydroélectrique. Centre international de conférence à Porte-Novo et à Parakou. Port sec de grande capacité à Parakou. Port en eau profonde à Sémé. Barrage hydroélectrique. Centre international à Parakou et Porte-Novo. Théâtre national. Port en eau profonde à Sémé. Port sec de grande capacité à Parakou. Aéroport de type international à Parakou. La question du logement, des salaires et des pensions sera traitée avec la plus haute importance.
En effet, nous résoudrons les problèmes de logement avec un prêt à zéro intérêt, que nous appelons le plan PTZ, ou un crédit à taux préférentiel et nous construirons 5000 logements. Des logements sociaux en rendant gratuits les titres fonciers pour les bas revenus et en vendant les titres fonciers à un prix modique pour les autres. Par ailleurs, nous veillerons à la bonne redistribution des fruits de la croissance avec les fonctionnaires. Et chaque année, le niveau du SMIC sera réexaminé. Enfin, nous organiserons de manière à payer obligatoirement les pensions le premier mois du départ à la retraite. Et chaque année, le niveau de ces pensions sera révisé. Oui, moi, Abdoulaye Bio Tchané, je veux agir, mais pas seul. Agissons ensemble pour un Bénin uni et triomphant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De chômage pour les jeunes, plus de souffrance pour les femmes. Il veut bâtir un Bénin de prospérité et de paix. C'est un homme de résultats, il a démontré dans son parcours. Il est soucieux et préoccupé du bien-être de son prochain.